peu analytique, avec des effets de, en particulier des résultats analytiques avec des effets de l'eau de mer, hein, pas de l'eau salée. Et des, comment vous avez introduit analytiquement les effets de entre région et région. Et si ça change, comment ça affecte
autre calcul ou le coefficient de sécurité il est affecté ou... N'est pas, en fait, c'est le autre calcul. Ah. Parce que la solution de sécurité pour la mer et la solution de sulfate est la même. Ah oui, mais la question c'est si ça change, est-ce que. Il n'y a pas le cas ou tu peux plus la dire? Non, c'est. Ce que le professeur et nous vous demandez, c'est s'il y a la concentration varie, il augmente ou il diminue, qu'est-ce que ça affecte? Ça a une influence sur le calcul. Pour la concentration, si elle est augmentée, je pense qu'il peut moins, il peut plus en fait sur le champ. Parce que il y a beaucoup de compositions chimiques faire la réaction avec le béton ou le système d'enfoncement de PFD. Ok, bon, bah, je pense que c'est la source des erreurs lorsque vous comparez les résultats analytiques avec l'expérimentation. Alors, vous avez par exemple dans la figure 5.2, la figure 5.2 de votre rapport. Dans la page 44 de votre rapport.
la pression du photon. Et deuxième, pour la correction de sécurité d'action. Parce que dans la formule du photon, il prend la grande correction de sécurité d'action. Par exemple, dans cette formule, phi, il prend la valeur égale 0,55. Donc là, il y a une grande variation. Poursuivre la discussion avec Monsieur Hénoux, la comparaison analytique que vous appelez analytique et expérimentale, en fait, la formule que vous appelez analytique, c'est une formule réglementaire, c'est une formule de règlement, c'est une formule qui introduit des coefficients, des facteurs arbitraires, conventionnels, d'accord? Et en fait, je pense que je ne suis pas sûr que vous l'utilisiez. Je pense que ça apporte pas grand chose. Ce qui est intéressant, c'est de dire à partir de mes essais, quel est le coefficient de sécurité ou de dégradation que je vais trouver. C'est comment, à partir de vos résultats, vous allez mettre en cause la formule du règlement. Vous voyez? C'est ça qui est intéressant.